Thank you.
Regarde, Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, pour le vivre de cette paix et conduire la paix de l'unité parfaite, croix du Seigneur, pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit de toi. Thank you.
chemin qui mène à lui. Ton fleurir dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marche dans la poche.
Thank you.
C'était la première fois
qui a soutenu la rencontre de son travail. Je répète, la première couleur qui a soutenu la rencontre du travail ciel. Alors, nous sommes la mère de tous les autres chorales de la France. Le fondateur de l'Université Pays Tomé, en revenant de ses vacances, nous prenons une amour de reconnaissance pour sa mémoire et pour tous ceux qui ne sont plus et qui ont fait de ce groupe un pilier de la République. Et il resta jusqu'à 1942. Il fut transféré à Montpellier comme directeur de la Banque des communautés de la Révolution. Alors, le curé de l'Ouvert, Quartier, nomma Monsieur Juan de Georges, Monsieur Juan de Georges, pour le remplacer. C'était la vérité. Mais, à la mort de son fils, Monsieur Juan de Georges, se déplaça et donna sa démission en 1952. Le révérend René Poignard fit appel à M. Marois Michel et celui-ci donna son bien. Il se mit à la tâche résolument. L'effectif fut de 92 ans. Il fit appel à des musiciens de renom tel que M. Hébert Pignon, M. Pierre Honoré, Mme Marcel Vidal, M. M. Épontiné, M. Léonie Gédéon, M. Joseph Escourel, Paul-Louis Ricou, Maxime Gauthier et Jean-Marie. La patronale connut une même temps de sort avec le bon morceau pour le mini. En 1952 à 1974, M. Magloire se dirigea avec fermeté cette patronale. Il dirigea la table avec compétence pour des raisons majeures pour donner sa démission. Le 15 juillet 1972, la croix se rendit à Chambon et mais il a dû rester le coup pour aller vivre avec son fils et le coup duquel certains membres de la croix et la place du centre de l'école Palais de François, dirigée par Madame Bergeron, ont donné leur aide. Aujourd'hui, nous avons des membres qui sont avec la chorale des pays. 75, 60, 50, 40, etc. Reconnaissance à M. Ludlow, qui a proposé l'hymne de la chorale, Notre-Dame intitulée en voie de la grâce et de l'église. La devise de la chorale, Notre-Dame est s'unir, servir. Et son objectif est chanter pour la gloire de Dieu et créer des activités religieuses, culturelles, sociales au cours de la communauté. Reconnaissance aussi à M. Marcel Gilles, qui a laissé à la chorale de l'intervention tel que grand Seigneur, et pitié de moi, mon Dieu, au point de la grande chorale a observé dans les propos de cette Irénée de Lyon qui disait à ce sujet, la gloire de Dieu, c'est l'homme. Le Christ, c'est cet homme pour que l'homme devienne Dieu. Genèse 1er, verset 26, indique que Dieu a créé l'humanité à son image pour que les humains dominent le reste de la création. Voilà pourquoi nous, les membres de la nous nous donnons corps et âme à le changer partout pour fermer la croix. De très nombreux exemples sociaux gratuits nous aident. Chers membres, je m'adresse à vous.
Malgré la pluie, nous là. Malgré la pluie, nous là. Si les gens nous mettent au camp, nous là. Nous sommes chez nous, nous là, et la pluie, nous là, nous là, nous là. Moi, fier de nous, l'église, fier de nous. Aujourd'hui, nous prions même pour la grâce. Avant nous, nous prions pour nous, nous sommes sanctifiés, pour nous décider l'éducation. La miséricorde, et mon cœur. Merci.
et président de la conférence épiscopale de la musique. Son Excellence Monseigneur Marie Péan, évêque des Gonaïves, notre titulaire. Monseigneur Aurier Zéphirin, vicaire général de la chaîne de la Québec, membre du Conseil d'État, membre du Conseil présidentiel, Madame et Monsieur et Messieurs les maires de la ville de Cap-Haïtien, Monsieur le Sénateur Gardien, chers confrères, il est notre sœur, autorité religieuse, judiciaire, policière et civile, pèlerin, paroissien, chercheur et frère. Aujourd'hui, 15 août 2022, marque l'anniversaire de beaucoup de nos institutions. D'abord, la fête de la ville du Cap-Haïtien, la fête patronale de notre paroisse Notre-Dame de l'Assomption, la fête de la famille chorale de Notre-Dame, celle de la Gratine de Citadelle, de l'Orchestre du Canada ici, de l'Orchestre septentrional le 27 juillet dernier, celle de la Télé-Paroisse. Et cette année, nous sommes honorés par la présence de Son Excellence, Monseigneur Yves Marie Péan, qui va fêter le 13 octobre prochain son 24e anniversaire de son épiscopat. Nous allons lui souhaiter bonne fête.
Monseigneur Yves-Marie Payan, les fidèles de l'archidiocèse du Cap-Haïtien, tous les paroissiens de la cathédrale, les instituts de vie consacrés et apostoliques, tous les membres du clergé et moi, vous prions de recevoir ce présent en souvenir de vos 20 ans d'épiscopat au service de l'Église, au service du diocèse de Gonaïves, au service de notre pays. Son Excellence, Monseigneur Yves-Marie Payan, CSC, 20 ans de vie épiscopale au service du Seigneur et de son Église de la dignité et de la paix. Depuis 2002, vous avez été nommé évêque de cette Gonaïves. Qui n'a pas bénéficié de votre compassion, votre gentillesse, vos enseignements, votre amour? Nous sommes fiers de vous. Nous vous disons merci pour le temps de votre vie, votre sanctisme, vos prières, vos enseignements, votre courage et tout ce que nous avons reçu de vous. En ce jour de grâce, fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire d'ordination épiscopale. Puisse le Seigneur Dieu vous permettre de rester toujours ce que vous êtes, le Saint-Esprit. Un bon pasteur. C'est là le plus grand trésor que le Seigneur puisse accorder à l'Église et eux des plus précieux dons de la miséricorde divine. Félicitations. Que cet anniversaire soit léger et joyeux et que son souvenir en soit longtemps les jours à venir. Intégrante de notre belle célébration eucharistique.
Thank you.
Excellence, Monseigneur, venez s'adjoindre à notre peuple. Monseigneur, le vicaire général, le Seigneur le vicaire de ce groupe, chers frères de nos sacerdotes, chers pères supérieurs de la confesse de la dame de la vicaire de ce groupe, c'est moi, frères et sœurs de la vie consacrée, autorité civile, judiciaire et policière, chers frères de la paroisse de la cathédrale du Cap-Haïtien, chers pèlerins, chers pèlerins, chers fidèles, venus de ma compagnie ici, et du nom de ces hommes, de mon ami, frères et sœurs de l'Église. Dans la joie et le jeu d'esprit de gratitude, je vous salue tous avec affection. Je salue et je remercie particulièrement son Excellence Monseigneur Bernardin Saturé qui m'a accueilli comme un frère à l'Épiscopat et qui m'a donné un jeu d'esprit hautement ecclésial et fraternel, l'heureuse opportunité de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de mes 20 ans d'épiscopat dans ce cher diocèse, ce cher archidiocèse, ce Cap-Haïtien, moi-même, j'ai eu à recevoir le sacrement du baptême, la première communion de la confirmation, à être ordonné diacre et à être ordonné diacre. Merci, Excellence, pour toutes les paroles stimulantes et réconfortantes que vous avez prononcées à mon endroit. Je voudrais vous remercier aussi pour votre vicaire général, Monseigneur Robillard, qui vous a représenté hier au Collège Notre-Dame avec brio et avec élévation. Merci, Monseigneur, et merci, Monseigneur, vicaire général. Je vous remercie également les membres de la commune de Cézanne, le président, le curé de la paroisse de la cathédrale, le père Saint Jean-Gilles. Merci, Monseigneur, pour ce beau cadeau que vous m'avez offert, cette belle charge. Je crois que je vais la porter à l'occasion de mes 20 ans au Naïve. Je crois que c'est ce que nous ont tous chargés. Merci, monsieur le curé de la paroisse. Merci, cher membre de la cathédrale. Merci, chers amis, de cette foi si merveilleuse qui nous ont portés à vivre dans le monde du ciel. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, nous venons de participer joyeusement à la célébration du mystère de l'Eucharistie, à l'occasion de la fête de l'Immaculée Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, qui a été élevée à la gloire du ciel, en son corps et en son âme. Dans cette heureuse occasion, je suis heureux de pouvoir magnifier le nom du Seigneur pour mes 20 ans. Au
Devant ce Christ et un tableau, je voudrais vous éviter, chers amis.
nous donne le Christ, à la conscience, à rester ferme dans la foi et au courage. Je voudrais aussi vous inviter à prier et à travailler de toutes vos forces et avec tout votre cœur pour accompagner l'homme haïtien ici et maintenant. Nos frères et sœurs, surtout les jeunes et les plus pauvres, en priant pour eux et pour nous des opportunités, de nouvelles opportunités, de l'emploi, en encourageant le dialogue respectueux et inclusif afin de donner un contenu réel à un nouveau printemps pour notre peuple afin qu'il puisse se reprendre. Chers frères et sœurs, m'abandonnez-nous pour nous la prière pour nous, continuer la prière pour nous, pour qu'arriver à nos bons témoignages évangéliques, pour que tant que nous n'en avons pas de soucis, moi-même tout, nous prenons soin, si d'ailleurs, mon Dieu, confiez-nous. Moi-même tout, mon côté, ma prière pour nous tous, ma prière pour nos enfants, mon Seigneur, ma prière pour toute mère de nos frères, toute diacre, toute séminariste, ma prière pour tout peuple en Dieu, d'une façon particulière, le Seigneur de la capitale, pour le peuple de Dieu, pour ce cher prophète. Ma prière pour Dieu capable de nous aimer, pour faire nous expérimenter miséricorde et grâce. Frères et sœurs de Christ, que la bienheureuse Vierge de Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, qui au terme de sa vie terrestre a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel, veille chacune de vous, sur vos familles respectives, sur l'église d'Haïti, sur l'archidiocèse du Cap-Haïtien, sur le diocèse d'Aimerville et sur notre chère nation. Et que Dieu puissant, dans sa miséricorde infinie, vous bénisse tous et vous manifeste continuellement. Vous avez les moyens pour ce point de la bénédiction finale. Je prends simplement quelques secondes pour remercier celui qui a remercié tout le monde et que je dois moi-même remercier. Je remercie de tout cœur le curé de la capitale et ses collaborateurs. Il a mentionné tout cela dans les propos de remerciement. Parce que comme curé de la cathédrale, il fait tout ce qu'il peut pour faire de la paroisse mère une paroisse de référence. Je vous demande d'applaudir et de remercier le Père Saint-Jean. À qui le Seigneur fait la prière pour ta ressource pour amener son anniversaire de naissance, votre Père Saint-Jean. Et je vais laisser la paix de Père à la couronne qui est là pour faire paix à la couronne. Avec votre collaboration, la collaboration est fidèle, il fait tout ce qu'il peut pour faire de cette paroisse une paroisse de référence, mais il n'est pas seul, il est accompagné du Père Louis-Fonali, du Père Bastien. Merci à cette collaboration. Et je remercie
deserve un âge de sagesse. Alors, bonne fête à la grande Mara et nous soutenons notre Seigneur, demandons au Seigneur que vous apportez les rêves que vous avez besoin pour aller de succès en succès. Encore une fois, Mara, Boutos, Anos. Et bien, le Seigneur, toutes les bonnes choses pour nous, même nous venir à cette célébration, vous allez recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie dans beaucoup de grâce. Il vous donne l'épée, cette Vierge sainte. Qu'elle soit près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fait de l'âme pour son sang, de mener à la joie, de son gentil action de grâce, le Seigneur bénit les filles de sa servante. Et que Dieu, tout puissant, vous bénisse.